Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela. Et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ils pénètrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, ils enseignaient. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce là ? Un enseignement nouveau donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt il lui parla à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent, et l'ayant trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt. Et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse, ce leur sera une attestation. » Mais lui,
une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.